Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis 4. Donc on reprend notre petite partie où elle en était. On a... Ouais, ici on a nos armées qui sont en train de se finaliser. C'est vrai que c'est gros là-bas. Putain de sacrément gros quoi. Merde, lui il doit aller là-bas, je suis con. Là-bas on est en train de finir ces putains de rebelles. Là on est en train de défoncer ceux qui traînaient à Alep. Là, l'Ottoman, dans quel état est-il? Bataille de Alep. Ok, on a défoncé son armée. Une armée là. Une armée là. On attend qu'il arrive à Kayseri. Saruhan, il va me prendre Aydin. Non mais t'arrives à Kayseri, ok, on split. Là. Voilà. La Russie occupe Denizli. Ouais, bonne nouvelle. On va aller se prendre Hamid. Là. C'est bon signe. Voilà, là-bas on a défoncé les rebelles. Ici. Voilà, histoire de limiter les coups. L'armée est arrivée à Hamid. Ok. L'armée est arrivée à Bozok. Il a des gros bateaux l'Ottoman quand même. Mais bon, il a des gros bateaux mais il n'a plus de port. Donc il va falloir qu'on aille s'occuper de ça. Moi j'ai des gros bateaux mais j'ai... Enfin j'ai même pas des gros bateaux, j'ai des grosses daubes. Le Danemark, ce serait quand même bien qu'on dégage le Danemark de chez nous. Okay. Ouais mais il est allié avec la France. Est-ce que le Danemark ne pourrait pas devenir un allié en fait? L'Autriche, il a qui en rivaux? La France et Trier. Trier, c'est gros. On est allié avec la France. Si on s'alliait, si on pouvait s'allier avec Trier, ce serait pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. La France est alliée. Ah non, la France n'est pas alliée avec Trier. Ce que j'ai envie de regarder, c'est l'Autriche. Militari. Armise. L'avantage, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de pays, quoi. L'Autriche. L'Autriche, l'Autriche, l'Autriche. Ah ouais, 525 en force limite. 200. Ouah, 230 régiments de mercenaires. Ah, c'est bon signe, ça. Ouais, c'est le deuxième après nous niveau puissance à l'Autriche. Et l'Autriche, si je lui déclarais la guerre. Si je lui déclarais la guerre, on a une trousse. Allez avec Aragon, Toscane et le Japon. La Toscane alliée avec la France et l'Autriche. Si je lui déclarais la guerre, la France ne viendrait pas, mais l'Autriche viendrait. Ça peut être pas mal parce que la Toscane. Ah, faudrait que je m'occupe de l'Ottoman d'abord, faudrait que je le finisse. Là, lui, il a fini, bah, il va aller se prendre Boulou. La Russie occupe Kayseri. Hop. On a pris tout ça. Non, Tlemcen, l'autre il arrive avec 33 000 hommes. Va t'amuser là-bas, mon gars. Si ça peut te faire plaisir, c'est le plus important.
Lui, on va l'envoyer là-bas, le temps qu'il arrive à Kodiak. Bam, assiégé par les Ottomans. Ah ouais, l'autre il arrive comme ça, vas-y, je viens à la cool. Bam, assiégé par l'Ottoman, ok. On va lui foutre un général qui tienne la route, genre lui par exemple. Russie occupe Hamid. On va aller prendre Teke. On va aller prendre ça. L'Alaska occupe Yakutak. Donc ça, on le dégage. L'armée est arrivée à Marrakech. Ouais, très bien. La Russie occupe Bozok. Très bien. Hop, on va là-bas. L'armée est arrivée là-bas. Très bien. On occupe Askari. Très bien. On va aller se mettre à Kayseri. L'armée est arrivée à Boulou et à Marrakech. Marrakech, on fusionne. Boulou, Boulou, Boulou. Deux armées, ça fait un peu riche quand même. On en envoie une là-bas. L'armée est arrivée à Téké. J'occupe Karaman, ok. On va aller là-bas. Ardalan. Putain, les mecs là, ils ont pas fini de se rebeller eux. La Russie occupe Bolou. Ouais. Ah, mais t'arrives à Wabash, ouais. Ok, par contre, ce qui est marrant, c'est que l'Ottoman. L'autre, il veut pas faire la paix, quoi. L'Ottoman. Pourquoi il a attaqué l'Ottoman? Je sais pas, mais bon, on va sûrement pouvoir prendre du territoire. Il y a des trucs intéressants chez l'Ottoman? Oui, on va prendre. Kwaseli. Moi, ce que je prendrais bien, c'est le nœud commercial d'Alep. Tout ça. Ouais, mais non, moi, c'est ce que je veux, hein. D'accord, t'es pas d'accord, je m'en bats les couilles, je veux ça, moi. Qu'est-ce qu'il nous reste à prendre? Il nous reste plus grand-chose. Hop, 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 toi tu restes là. Ouais. Ma flotte de guerre, elle est où? Ah, la gueule de la flotte de guerre, quoi. 10 navires, quoi. On va pas aller loin avec ça. La Russie occupe Marrakech, ok. Mon armée qui est là-bas. L'armée est arrivée à Wabash. On arrive à Wabash. La Russie occupe Téké. Ok. On occupe Amasi. On va commencer à piller un peu. On va piller ses ressources à haute naze. La Russie occupe Menteşa, ouais. Bon signe ça. On va tout piller. Lui, il a fini ça. On va envoyer l'autre là-bas. La Russie occupe Konya. Bonne nouvelle. Kayoka, la Russie occupe Karachir, bonne nouvelle aussi. L'Alaska occupe Eyak, ça je sais.
Voilà, là on va commencer à bien piller son putain de territoire de merde. Battle de Kaokia. Ok, et lui, donc ce qu'on va faire, on va fusionner et on va faire une armée. Ah merde, faut qu'on attende d'avoir pris le territoire. L'autre armée. Voilà, elle va arriver à BAM. On va les épiques défoncer, théoriquement. On occupe Kaioka. Ok. Et là, donc, on va fusionner. Voilà, bon, ben voilà. On fusionne. Ici, on rassemble tout. Ok, donc ça c'est tout bon. L'unité religieuse. Est-ce que j'ai pensé? Ouais, j'ai pensé à lancer 0,8, putain. Ah bam. On les épique défonce. On va regarder un petit coup vite fait cette bataille. Il a combien? Il a du moral. Ah ouais, j'ai quasiment le doux. C'est qu'il a aussi peu. Defender of the Faith, Military Drill, Power Projection. Ami Tradition, tu m'étonnes. Ouais, d'accord, ok. De 5. 8%. 117 en discipline. Mais comment on fait pour avoir aussi peu de discipline? Bon, bah voilà, on leur a mis cher. On va aller les finir. Et là, je pense que les Ottomans, ils vont tout de suite se détendre. On a chopé Kenai. Ouais, donc lui, hop, on le dégage. Non, trop long, lui. Offensif. Ouais, on va prendre les idées offensives un petit peu. Land Force Limit Modifier et je suis trop con. Autant qu'on clique, il se remord. Non, pas encore. Voilà. Kodiaka. Hop, on disband. Ouais, parce qu'il faudrait quand même Bassora et assiégé par Tlemcen, bon, si tu veux. Donc on va se finir vite fait les Ottomans. Voilà. Donc là les Ottomans. Nous disions donc les Ottomans, je te proposais une offre de paix. T'es ok? Par contre, vu que tu m'as un tout petit peu cassé les couilles. On va refourguer ça à Nitra si on peut. Est-ce qu'on peut te gratter? Ouais, non. Non. 52. Oh. Allez. Une coalition avec qui? Ouais, avec les pays de merde. Voilà. On lui a offre, vous voyez, une offre de paix qui est gentille. Voilà. Parfait. Donc là. Encore, tout ça. Ouais, pas de l'acide. Ah, ils sont 39 là. Là, ça va puer par contre. Là, ça va puer. Pas assez de rivaux. Qui peut être notre rival? On va mettre l'Autriche, tant qu'à faire. L'Autriche, est-ce que t'es toujours dans ta guerre? Ouais, et ta guerre, t'as l'air de la perdre. Moi, ce que je vais faire, l'Autriche, je te l'annonce de suite. Diplomatie, je pense qu'on va déclarer la guerre de suite. On va même pas s'en... Ah non, on a une trousse, putain, on lâche qu'à quand la trousse avec lui.
La trousse, la trousse, la trousse. Avec l'Autriche qu'en 1793. Ah oui, mais si on déclarait la guerre. On a gagné. Ouais, on a Corée. Voilà, c'est bon. On a Corée avant qu'il y ait un event à la con qui se produise. C'est surtout ça qui est pas mal. Un mage royal de l'Arménie. On prend. Donc comme ça fait qu'il a plus envie de se barrer. Donc ça fait qu'on va reprendre l'intégration. Ah non, c'est plutôt pas mal. On n'a plus d'overextension. Je pense. Enfin, si on en a, mais d'un niveau tolérable. Voyons. La mission. Moi, c'est surtout ça que je veux prendre. La mission. On n'a plus de corruption. Ça, c'est une putain de bonne nouvelle. La mission. Qui est... Partitionner la Pologne. Il me faut. Malopska et Mazovia. Mazovia. Et Malopska. Or 10, 29, 40, putain, 59. Et j'ai une trousse jusqu'à quand on disait l'Autriche 1793. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. On va prendre toutes les armées ici. Non. Lui, on va le laisser. Je sais pas où on va le laisser. On a des séparatistes anglais, des séparatistes adjamis. Ils sont où les adjamis? À Hamadan. Hamadan, Hamadan, Hamadan. Hamadan, c'est là. Pourquoi ils sont pas contents, ces cons? Ils ont de la bonne religion? Ah, c'est l'overextension et le séparatisme. Ok, ce qu'on va faire. L'armée qui est là, à Bam, on les envoie à Madan. Ok. Ensuite, on a les 40 000 hommes qu'on va laisser là, de toute façon, on peut pas les rapatrier. Et tout ça, on rapatrie. De toute façon, on va les défoncer, l'Autriche, on disait. Est-ce que l'Ottoman ne me laissera pas passer? Et est-ce que l'Ottoman... Est-ce que l'Ottoman laissera passer l'Autriche? Non. Est-ce que la Toscane laissera passer? Ouais, non. L'Ottoman laissera passer la Toscane. Donc, on a toutes nos armées là. Tout ça, on prend. On en met... Un là-bas. Non. Un là-bas. On le dégage. Un autre là-bas. On le dégage. On met un là-bas. On le dégage. Un là-bas. On le dégage. Et tout le reste, on va envoyer... Non, on va envoyer un là-bas. Et l'autre, on va le mettre, disons, ici. Voilà, on va mettre tout ça par là. Ensuite, où partent nos thunes? 17. Ah, on a un prêt? Merde, j'avais pas vu qu'on avait un prêt. Moins 17, pourquoi on les paye? Armée de maintenance, ouais, ça coûte un peu cher. Forte maintenance, l'effort. On va les mausboler. Parce que bon, on n'a pas besoin. Ensuite, les forts. Qu'est-ce qu'on a comme fort? Là, là, là. Ouais, on n'en a pas là. C'est un peu open bar. Alep. Je vous dis, Alep, honnêtement, le Mamelouk, quel est son niveau avec nous? Il nous kiffe pas trop. Bon, on peut garder Alep. Celui-là de fort, Issel, on le dégage. Il sert à rien. Ceux-là, je pense qu'avant qu'on ait. Alors là, j'ai un fort ici. Qu'est-ce qu'il fait là? Je n'en sais rien. On le dégage, le fort en plein milieu de la pampa. Là, ça me permet de bloquer ici. Ouais, le problème, c'est que c'est un peu un... C'est un hall de guerre chez nous, ça rentre de n'importe quel côté. Donc celui-là, il sert à rien. Comme celui-là, quoi, il sert à rien, quoi. Celui-là, il sert plus, on n'a plus d'ennemis au nord.
Ayrshire, est-ce qu'il sert? On a Ulster. Ayrshire ne sert plus à rien. Non, ça nous permet de nous protéger des Anglais, de l'Anglois. On a l'Islande aussi, qui est super intéressant, qui change tout. Après, ce qui est pas mal, ouais, ça, c'est l'Autriche qui est en train de perdre contre Trier. Ce qui serait bien, c'est de finir. On a 2 ans. Faut que la guerre dure encore 2 ans contre Trier. De manière à ce qu'on aille lui mettre sur le coin de la gueule à l'Autriche. Parce que l'Autriche, tout à l'heure. Ah, l'Ottoman a fait banqueroute. Parce que l'Autriche, tout à l'heure, il avait. Rivaux. L'Autriche. Il a moins de manpower. Il a encore moins de régiments de mercenaires. Hein, il a de l'armée. Bon, moins que moi. On devrait pouvoir se le défoncer. Et après, il a. Ah oui, il est allié avec le Japon. Ça fait qu'en fait, d'où l'intérêt, je comprends maintenant pourquoi on a les troupes par là. Donc les troupes qu'on a par là, je vous dirais, c'est le Japon. Voilà, on les met là-bas. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode. Donc je vous dis bye bye les gens. Et à demain pour la suite de la série. Et ciao tout le monde!